Salut tout le monde, c'est Martin de Mécanica. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste un tipon. Dans le jargon du sérigraphe, le tipon, c'est tout simplement le transparent sur lequel vous allez reporter l'image que vous voudrez sérigraphier par la suite. Pour faire ça, y a plusieurs méthodes. Clairement, la plus basique et la plus simple, c'est d'utiliser l'imprimante que vous avez à la maison. Vous le savez sans doute, il y a deux types d'imprimantes, il y a des jets d'encre et des lasers. C'est pareil pour les transparents, il existe des transparents faits pour le jet d'encre et d'autres faits pour le laser. Il y a une petite astuce pour les reconnaître. Le transparent jet d'encre possède toujours un petit côté granuleux qu'on peut identifier au toucher. C'est sur ce côté qu'il faudra imprimer. En revanche, le transparent laser, lui, est lisse des deux côtés et on peut imprimer dans n'importe quel sens. Une petite astuce pour réaliser des tipons corrects à la maison, même sur des imprimantes bon marché, il suffit simplement d'imprimer deux fois son logo, de le superposer pour obtenir un tipon bien opaque et de simplement mettre un peu de tape pour le fixer et qu'il ne bouge pas lors de l'insolation. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante à la maison, il existe une solution alternative qui consiste tout simplement à dessiner sur votre transparent. Vous vous transformez en super-héros. Pour ceux en revanche qui ont une imprimante mais pas de transparent, il existe aussi une solution alternative qui consiste à huiler une feuille blanche. Ce procédé vous permet d'obtenir une feuille translucide, pas totalement transparente, mais ça permettra de laisser passer la lumière lors de la phase d'installation. Maintenant que vous avez préparé correctement votre tipon avec la technique de votre choix, l'étape suivante sera de préparer l'écran afin qu'il puisse accueillir ce motif.